Hello, I'm Maxime Quenesson, a French cellist, and I'm in Chapelle since now 2019. Well, I chose my instrument when I was very little. I think I was somewhere between 5 to 6. When I saw a cello, I told my parents, oh, I want to play this instrument. So that's the story. If I could choose only one that I would, let's say, be on a desert island for the rest of my life, it would probably be Jean-Sébastien Bach. So it's first part that is kind of deeper feelings, definitely, and the second part is like firework and very joyful and very entertaining as well. So it includes pieces that we worked a lot with Gary and Irun, and then I also wanted to play with friends and people that have been important to me during my time here. So it includes 2 cello pieces by David Popper, which I will play with Gary Hoffman, and then we will finish the program with the Zigenhorweisen, an arrangement made by Roland Pidou for 5 cellos with Stephanie Huang, João Gonçalves, Jorge Jiménez and Yun Sun. It included pieces by Dmitri Shostakovich, the sonata for cello and piano, which I will play with my dear friend Kojiro Okada. I don't think there is really another place, in at least in Europe that I know, that has all this kind of opportunities, like you can practice day and night and not bother anyone. This meeting point of so many cultures and so many different people with a lot of different backgrounds. So it really helps you to connect in a different way. And then music-wise, of course, we have 2 amazing teachers cello-wise, which are Gary Hoffman and Ewan Rolling. And this has been, a cornerstone of my artistic development and also human development. Both of them are really great human beings and great artists. And I also have in at the back of my head all the time Bernard, which was so important for all of us in here. What is done here is beyond words. You cannot put words to what is done and how committed he was to this place and to the artist, to us. Non.
Damsonere, good evening, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au concert Artistes Diplomates. C'est avec une immense fierté que nous mettons en lumière ce soir la carte blanche de Maxime Kenesson. Alors, je vais vous révéler peut-être pour la première fois un petit secret personnel, c'est que quand je parle de la section violoncelle de la chapelle, je fais souvent référence, avec bienveillance bien entendu, au Cello Gang. Il s'agit en effet d'une section extrêmement chaleureuse, solidaire et bienveillante, qui a en son cœur Gary Hoffman et Jeroen Reuling, et dont fait partie depuis son entrée à la chapelle Maxime Kenesson. Le programme qu'il propose ce soir illustre les caractéristiques qui nous ont éblouis pendant ces 4 années et qui ont fait de Maxime un artiste très apprécié de ses collègues et amis, mais aussi un artiste reconnu des scènes internationales. Alors, parmi ses qualités, je n'en citerai que quelques-unes pour ne pas le faire rougir, il est là-bas. Il y a une musicalité à l'état pur. Vous l'entendrez dans le chant du minstrel de Glazounov. Ensuite, il y a sa sensibilité de chambriste, dont il a fait preuve dès ses débuts à la chapelle, et qui l'ont d'ailleurs poussé à faire rentrer son trio, le trio Zélia, dans la section de musique de chambre. Ce soir, c'est aux côtés de Kojiro Okada qu'il s'exprime dans la sonate de Shostakovich. Et puis, il y a la complicité, et particulièrement avec son maître en résidence, Gary Hoffman, ce soir dans la suite pour 2 violoncelles de Popper. Pour terminer, je parlerai de sa virtuosité vertigineuse. Il nous propose ce soir une transcription d'une pièce de Sarrazade, initialement écrite pour violon. Et évidemment, j'en reviens au clan des violoncellistes, il sera accompagné par 4 de ses collègues et amis. Vous l'aurez compris, à travers ses nombreuses qualités, Maxime a marqué non seulement la section violoncelle, mais également la communauté chapelle. Et nous en sommes évidemment extrêmement fiers. Avant de céder la parole à Jeroen Reuling et Gary Hoffman, j'aimerais remercier tous les complices de ce soir. J'en ai parlé, Kojiro Okada au piano, et puis Stephanie Wong, Yoon Suyo, Jorge Jiménez, Joan Gonçalves au violoncelle, et évidemment celui qui l'a suivi pendant ces 4 années et qui est aujourd'hui sur scène à ses côtés, Gary Hoffman. Ich wünsche Juli allen einen prächtigen Abend. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique concert. Bonsoir. Quelques petits mots sur Monsieur Maxime, qui, quand il est venu à la chapelle, je me souviens, il a fait l'admission, l'examen, c'est fini, puis je le rencontre avec un de ses collègues à la gare de midi, complètement déprimé, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh, j'ai tellement mal joué, voilà. Et j'ai rien pu lui dire, j'ai juste fait un grand sourire. Et il est rentré à la chapelle, et je dois dire qu'il a fait d'immenses progrès dans ces 4 ans qu'il était avec nous, et maintenant, c'est vraiment un artiste. En plus, il est charmant. Vous allez voir, il est charmant. Il a beaucoup d'humour. Et il est très, très bon collègue. Je trouve qu'il ne parle jamais mal des autres. Il est toujours positif. Et c'est un grand bosseur. Et vraiment très ouvert dans le travail. Ce que je trouve très méritant. Je ne sais pas si on dit ça en français, si c'est méritant. Mais disons que je trouve que c'est quelqu'un qui mérite vraiment sa place ici. Et on était très, très heureux de l'enseigner. Je pense que Andis et Jeroen ont tout dit. J'ai juste envie de rajouter une petite histoire, parce que je me souviens d'un cours avec Maxime, il n'y a pas très longtemps, mais il y a 2 ans peut-être. Et il m'avait joué la sonate Arpeggion de Schubert. Et c'était tellement sensible, et il y avait tellement de tendresse que j'étais vraiment ému.
à la fin et je lui ai dit, Maxime, merci d'avoir joué comme ça. Et il m'avait regardé, il m'avait dit, non, c'est moi qui devrais vous remercier. Et voilà, ça a toujours été comme ça. Et j'ai envie de dire que nous sommes importants, évidemment, les professeurs, mais finalement, ça dépend d'eux. On est là pour les aider, pour les guider, pour les accompagner, mais finalement, c'est eux qui vont faire le travail, les choix humains, artistiques, les choix de carrière, et je suis vraiment fier de Maxime.
laver, j'ai pas la partition de ce que je vais jouer, donc je vais juste un petit peu.
5 années merveilleuses, enfin 4 années, parce que maintenant 5 ans que je suis ici.
avec Gary Hoffman, Jeroen Rolling et toute l'équipe merveilleuse de La Chapelle. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que ce récital se termine. J'ai rien préparé, c'est complètement improvisé, donc pardonnez-moi si je bafouille un petit peu. Mais je tiens à remercier toute La Chapelle, tous les gens avec qui j'ai joué ce soir, vous tous, pour ces moments extraordinaires que vous nous permettez de passer. Et bien sûr, une pensée très émue à Bernard, qui manque beaucoup et qui a beaucoup fait pour moi, pour nous, pour toute La Chapelle. Merci beaucoup.